En même temps qu'on fait les morceaux, on commence à réfléchir à des personnages ou des animations qui pourraient coller avec le morceau, de l'interactivité. Ou des morceaux qui peuvent coller avec les images. Ouais, ou alors on pose des images aussi. Mais c'est vrai que des fois on a des idées d'images et on se dit tiens, faut mettre une chanson dessus. Donc c'est mélangé et puis à la fin on a un truc qu'on répète un peu avec un petit ordinateur en imaginant qu'on est sur scène pour voir si les images sont bien et après on le fait en vrai. Et en général, les premiers concerts, on se rend compte en même temps que tout le monde de ce qui se passe. Regarde derrière comme ça, on fait oh les gens, il y a des trucs énormes. Puis il y a des trucs à améliorer. Enfin, ah oui, aussi, on les change tout le temps. Oh là, tout le temps. Bizarrement, on est très perfectionniste et on n'est jamais content. On regarde les images et on se dit oh putain, le truc il est pas top là, ouais. Et on le retravaille, puis on le remplace le lendemain. Ce qui fait souvent qu'on fait des conneries et qu'à la fin il n'y a plus rien du tout. Et votre projet Monkey TV, c'est pour jamais décrocher avec vos fans pour qu'ils vous suivent non-stop en mode télé-réalité. Ah, en fait, c'est vraiment je pense qu'ils aiment bien. Se voir déjà eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps à les filmer aussi pour, et ça nous fait, ça nous fait des. Bah déjà ils sont. Non mais c'est marrant ce qui se passe sur une tournée. Bien partagé quoi, c'est des souvenirs, on fait ça depuis vraiment le début et c'est vraiment un plaisir de faire ça, c'est pas très calculé. Vous pouvez les embarquer en tournée. Voilà, ouais, voilà. C'est une tournée, il se passe pas mal de choses et puis comme on bosse en tournée et qu'on fait les disques en même temps et qu'on prépare les images, c'est pas que des trucs de backstage, concert, et on montre comment ça se fait, comment ça se prépare, comment ça se monte, tous les petits trucs rigolos. Donc voilà, on aime bien montrer ça. Un bassiste normand aussi. Il vient d'où ? Évreux. Évreux, ouais. Ah ouais, en plus. Donc, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il est là ? Il est là, son c'est frère lui, aussi, là. D'ailleurs. C'est lui là, celui qui a des. On a un bassiste et un clavier, des petites lunettes en forme de cœur. Mais c'est tellement de l'amour. Ça fait très. Venez, normal. C'est pour la télé locale. Viens, Normand. On parlait de toi. Oui, c'est vrai que le frangin aussi. Bonjour. Donc, ça, c'est ceux qui nous disent que ce soir, ça va être super. Ah oui, parce qu'il faut vendre là-haut de Normandie. Mais non, mais c'est une évidence que ça va être super. On est dans le meilleur endroit de France. Ça peut que être super. Ouais. Et la dernière fois qu'on a. Enfin, c'était pas la dernière fois, c'est la première fois qu'on était en Normandie, j'avais dit sur scène on est content, on a un Breton. Un Breton. On est content d'être en Bretagne et tout ça. Bah, et là, j'ai vu toute l'énergie du Normand. Ouais, on sentait que ça allait être difficile. On fait la même chose. Difficile. Surtout qu'ils ont crevé les pneus du bus. Ouais, on a lâché. J'ai pas slamé ce jour-là. J'y vais pas. Il y a des requins. Du coup, on joue à Rouen, c'est rien bien. Bah, c'est rien bien. C'est Barjo. C'est Barjo. On est plein et on essaiera de sauter sur tout le monde, c'est promis. Et bonjour. Et bonjour. Et puis King. Ah non, merde, c'est pas là. Non, c'est plus dans le sud de la Bretagne, désolé. De Normandie. Désolé, cher.